Bienvenue au Japon, nous voici réunis pour le Nippon Open 2008. Nous allons rejoindre bien sûr John Kerr, Dillon et un line-up de malades en termes de rider pour le Burton Open Global Series version 2008. Quand vous pensez au Japon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être les jeux électroniques, Tokyo ou les combats de sumo, mais pour la communauté de snowboarders, on va parler poudre. Bienvenue à tous, nous sommes dans la plus grosse compétition du monde, je suis Kerr Dillon. On est de retour sur le Nippon Open, il y a beaucoup de monde qui est là ce week-end pour un 5-star TTR Event. Nous sommes sur le Ticket to Ride Tour, il y a ici 100 000 dollars à gagner pour le champion, du moins au classement général, chez les filles et chez les garçons. Alors moi, je vais vous dire, il va y avoir du gros spectacle et c'est parti. L'atmosphère ici est un peu différente que ce que tu vois d'habitude en Europe, parce que la fan culture ici, les fans sont vraiment énormes. Tu rides et en même temps tu te prends pour une rockstar pendant un petit moment, c'est vraiment bon. Les gens apprécient vraiment ce que tu fais, ça c'est sympa. Je me sens toujours bienvenue, bien accueilli dans ce pays, il y a tellement de choses à faire, j'adore ça. Ici tout se passe, c'est ici qu'il faut être, tout le monde vient sur cette compète et puis aujourd'hui on va voir ce que les filles sur le TTR et vous allez voir qu'on est bien là présente. S'embarquer sur le circuit Ticket to Ride Tour, c'est l'assurance de voyager et de se faire plaisir pour un snowboarder pro. Outre le Japon à l'écran, nos snowboarders ont été faire mumuse au Canadian Open, au New Zealand Open, il y a aussi l'US Open, l'European Open, bref, que du gros. Ici, ça va quand même être très différent de l'US Open. On finit la saison, le Global Open champion va être sacré ici, il y a 100 000 dollars à la clé, une bonne pression. Outre la pression, les riders vont se faire plaisir avant de rentrer à la maison. C'est sous la neige et de nuit qu'ils ont fait un petit ride jam, juste pour les fans massés sur place. Ils sont venus faire une session de jib, il y a deux possibilités sur la piste. On a pu voir Jamie Anderson qui s'est fait plaisir, ainsi que Takafumi Konishi. Bref, tout ce beau monde ne l'a pas fait que pour le fun, il y a quand même un petit chèque à la clé. Hein. Bah, je suis un peu surprise parce que je trouvais que j'avais été un peu short dans mes sauts. Et puis je suis surprise quand même de voir qu'il y a de l'argent à la clé, c'est bon ça. Ouais, je me sens bien, très bien, c'est une bonne journée. On s'est fait plaisir et puis maintenant je vais aller me prendre un petit coup de saké. Un saké.